Artlist.io. Music licensing reimagined. Le Facebook, le Instagram, le YouTube. OK, salut tout le monde. C'est Alan pour The Workshop. Bienvenue dans votre break 944. Trois box au menu, SP Game Music Standard et The Cup. Oh que oui! Juste avant qu'on y aille, je vous présente Facebook, Instagram et YouTube. Allez, venez nous suivre sur chacune des plateformes. Si vous êtes nouveau ou nouvelle avec nous, gênez-vous pas, on a du fun un petit peu partout, je vous dirais. Et pour le YouTube, vous allez voir, il faut subscriber, il faut s'abonner en fait à la chaîne Break the Workshop. Ça coûte rien, il faut juste avoir un compte YouTube en fait pour subscriber tout simplement. Et ce qui est important aussi, c'est que si vous passez un bon moment, ben gênez-vous pas de mettre un petit like en passant, que ce soit en live ou en différé, ça nous donne un bon coup de main. Voilà, c'est l'heure, allons-y en live. Le voici nos box de ce soir. Salut tout le monde, comment ça va? Salut Sylvie, salut Junior. Qu'est-ce que je pense du choix des Kraken? Ils ont une grosse équipe. Ils ont une grosse équipe. On dirait que c'est tous des grands et des gros monsieur. Mais il y a des pas pires noms là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il manque de quoi. J'ai l'impression qu'il prépare quelque chose. Je me rappelle pas avec qui je parlais de ça tantôt. Salut Denis! Mais j'ai vraiment l'impression qu'il prépare quelque chose dans les prochains jours, semaines. Un gros coup peut-être, je sais pas, c'est mon feeling. Je suis peut-être dans le chat de patate, encore une fois. Mais à suivre. Voilà, on passe avec la Extended ce soir. 24 packs au menu. Prochain break de hockey, je vous annonce ça tout de suite. Je vous sors ça demain, jeudi. Ah, c'est ça, je te dis, Mathis, on dirait qu'il manque quelque chose. Je sais pas. On le verra certainement dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Ben, ça dépend, Junior, quand même. C'est pas tous des jambons. Il y en a quand même des solides, mais j'ai bien hâte de voir. Ça prend le K-Sit avec la décope. J'espère, Louis-Philippe, j'espère. Salut, Daniel! On passe immédiatement. Bon break 944, tout le monde. On passe avec une victory de Barzal pour les Islanders. New York... Donc, les Isles et qui partent le bal. Next one. Première Young Guns, la voici. On a Arthur Kaliev. Les Kings qui nous partent ça tout de suite. Jean-Sébastien Roy
avec LA. On se passe ça, yes! Salut Mathieu! Next one, une première rétro pour les Sharks, Thomas Hurdle. Salut Francis, comment ça va? Alors regarde, hey, Caroline, il montre l'alignement possible là. Giordano, Larson, c'est pas petit celui-là. Là. Oleksiak, Dunn, Souci, Lauzon, c'est trois méchantes paires de défenseurs là. Ah, c'est quand même pas si mal, là. C'est pas si mal. J'ai hâte de voir. Salut Stéphane! Next one. On a une autre Young Guns. Et c'est Cam Johnson pour les Blue Jackets. Columbus. Next one. On a notre SPX. Et c'est une gold, je crois, de Monsieur Patterson pour les Canucks. Allons voir ça. Yes, it is. Sur 299, la 129. Avec un focus, s'il vous plaît. Voilà la 129. Nice one pour les Canucks, c'est Louis-Philippe Dupuis. There we go. Next one. On enchaîne ça avec une base clear cut de Pierre-Luc Dubois pour les Jets. Winnipeg. Voilà ici. Ils ont sélectionné pour bâtir la défense. Je le sais pas, mais il y a quelque chose qui va se passer, je vous le dis. Salut Chantal! On y va avec une première rookie class. Oilers, Tyler Benson. Next one, c'est notre ovation. Et c'est Peyton Krebs. Vegas, les Golden Knights. Et on a notre Young Guns Tribute. La voici, la rétro. Et on y va avec Nick Robertson. Les Leafs. François Villemur avec Toronto. There we go. C'est les Leafs qui ont la Tribute. La rétro ce soir. C'est sûr qu'elle s'est pas coulée dans le béton, cette équipe-là. Ah, il y a quelque chose, c'est sûr. Je vous le dis, tabarouette. Je suis convaincu. Peut-être que non, là. Je vous l'ai dit, je suis peut-être dans le champ de patates, mais... J'ai l'impression qu'ils préparent un grand coup. Il y a Vegas qui a fait ça il y a quelques années. Ils ont vu ça aller. Ils ont certainement bien étudié les scénarios. Ils sont pas caves, là. C'est sûr qu'il se passe de quoi. McDavid, ici, dans le Victory, c'est la numéro 9. Ben oui, les deux ensemble, Junior, hein, tabarouette, les deux ensemble. Hollow FX. Capitals. Alex Ovechkin. Pour les Caps de Matisse. On va voir ça ici. Next one. Young Guns incoming. Et on a Connor McKay, les Flames. Deuxième moitié de box. On va aller faire les SP Game News ensuite. Et bien sûr, on va terminer avec la The Cup. J'ai l'impression que ça va brasser dans The Cup. Rookie Class. Alexander Barabanov. Les Leafs.
Victory. Lightning, Cal, Foot. Pour Tampa Bay, c'est rookie. On a ensuite une tribute, une rétro. C'est John Gibson pour les Ducks. Anaheim. On enchaîne ça. Est-ce qu'on a un pack de base ici? All Stars. Yes, All Base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Yes. Et on a une autre Hollow FX. Washington, monsieur Vanacek, qui est maintenant un Kraken. Un Kraken, j'ai hâte de voir ça, mais ça va changer pour les cartes aussi avec nous autres. Il va y avoir 32 spots maintenant, 32. Young Guns incoming. Joseph Cornar, Sharks. Voilà, je me fais de la place et on s'enligne dans le dernier stretch de notre première box. Et on a pour les Canucks ici. DiPietro sur 1000, la 0125. Pros and Prospects. 5 packs à faire. Young Guns. Kevin Ball, Devils. New Jersey. Quatre derniers packs, on s'en sort pas si mal comme première box. Est-ce qu'on va avoir une petite surprise en finissant? Rétro. Oilers, Leon Draisaitl. Et Antoine Martin avec les Oilers. Et on a une autre Young Guns. Rathbone, Vancouver. Ça prendrait une Romanov dans les derniers packs. Oh, on va essayer ça, ouais. On va essayer. Qu'est-ce qu'on a ici? Une variante française. Derek Grant, les Ducks. French Variation. Et le dernier. On close cette première box. Pas si mal jusqu'à date quand même. Avec une victory. Josh Norris, les Sénateurs. Ottawa qui close cette box. D'après moi, plus ça va aller, plus ça va frapper. Allons voir ça. SPGU maintenant. Et là-dedans, on est dû en s'il vous plaît pour sortir une DDM. Est-ce que ce sera ce soir? Voilà. On semble avoir un petit pack cependant. Donc, petit pack confirmé. Allons voir ça. On passe avec les Jets. Patrick Laine sur 265. La 252. Voilà. Ensuite, notre rookie Blue Burst. Alex DeBrincat sur 165, la 118. On poursuit en dessous. Et on y va avec les Hurricanes. Jacob Slavin, First Year All-Star. Donc, Red Jersey pour la Caroline. C'est Marco Guilmette, les Canes. On suit en dessous. Et on a une Banner Year. Ainsi qu'un Jersey, Curtis McDermid. Qui est maintenant aussi un Kraken, Banner Year. Quand même le fun, la Banner, avec les détails dans le bas. Les Canes.
En dessous, encore une fois. Les Capitals, cette fois-ci, sur 150, Braden Holtby. All-Star Skills Relic Blends. Donc, ça veut dire Red Jersey pour Washington. Voilà. Et notre autographe, qui en a ce soir? 1, 2, 3. Oh, Monsieur Gabe Vilardi pour les Kings. Jean-Sébastien Roy qui a un bon break jusqu'à date. Let's go, L.A. C'est l'histoire d'une équipe ce soir à date. Ça va quand même bien pour les Kings. Congrats, Jean-Sébastien. Et on s'en va maintenant déjà dans notre dernière, mais c'est pas la moindre. Non, c'en est toute qu'une. C'est une de cup. Voilà. On va se faire de la place ici. Comme ça. Et on y va. C'est parti. 19-20 de cup. Des cartes dans les autres spots comme quelle fleur. Denis a des bonnes idées. On va la voir. Elle nous donne de la misère, cette boîte-là. Il y a quelque chose qui s'en vient. OK. Dans vie, on voit des signes où on veut en voir. Hein? OK. C'est l'heure de la décope. Allons voir ça. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Comme ça. On y va tout doucement. Voilà. On va mettre notre decoy ici, on top. Donc ici, on est vide. Et on ouvre ça. C'est parti. Non, mais c'est-tu pas beau? Oh, c'est beau. Comme à toutes les fois qu'on en ouvre une, je vous le mentionne, et c'est un privilège d'ouvrir ces boîtes-là avec vous autres. C'est un privilège. Les decoys sont prêts. Je le suis. L'êtes-vous? Je suis craqué. Let's go! On va avoir du fun. C'est parti. First one. On passe ça avec le Lightning. Alexander Volkov. Sur 249, là, 226. On va bien sûr sliver et uploader à mesure ici dans cette box. Voilà, monsieur Volkov. Ensuite, qu'est-ce qui s'en vient? On va voir dans quel ordre on va vous sortir ça. Ouf, la patch de fou. Oh! Aïe, 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 aïe. Are you serious? Oh! Une après l'autre. Oh boy! OK, on va avoir du plaisir ici ce soir. Et on y va ensuite avec les Coyotes. Barrett Hayton. La 112 de 249. Ben oui, c'est vrai, Danny qui est de retour avec nous. Danny, content de te revoir. Monsieur Hayton ici, Rookie Class of 2020. Pour les Coyotes. Ensuite, on y va. Je pense qu'on va y aller on top. Une RPA sur 249. Deux couleurs. Giovanni Smith. Daniel Dufresne avec les Wings. La 217 de 249. Rookie Patch Auto pour les Wings. Voilà. Ensuite, on poursuit sur le dessus. Nous avons une RPA, mais c'est une Gold. Elle est sur 24 avec un s'il vous plaît de belle patch. 1, 2, 3. Bang! Back to back. Ça appartient à Daniel Dufresne aussi, les Sénateurs. Jonathan Davidson.
Oh, les Sens qui frappent maintenant. 19 de 24. Gold RPA. Faire une rotation ici. Les deux dernières sont belles, hein, s'il vous plaît. Ouais, j'espère que vous êtes prêts. Elles sont sharp. Très, très sharp. On y va en tour avec. Ah, c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas sorti ça dans une de cup. Une Splendor. Ouais, une Splendor dans de cup. Elle est numérotée sur 36. Il y a 1, 2, 3 couleurs selon ce que je vois ici. Et on y va avec nul autre que monsieur Nathan McKinnon. 26 de 36 pour l'Avalanche. Sylvie Aspiro. Hey! Oh, bang certain, c'est l'heure. Pouf! Ah, je me rappelle pas avoir sorti une Splendor dans une de cop, ça fait longtemps, hein, s'il vous plaît. Ouh, c'est-tu beau ça? Oh, c'est beau! Ah, si, c'est beau! Et il nous en reste une, mais il nous en reste une solide, hein, s'il vous plaît. Pour les nouveaux nouvelles qui sont avec nous pour la première fois, n'oubliez pas de nous laisser votre adresse en privé, s'il vous plaît. Question qu'on puisse shipper vos cartes. Prochain break de hockey, c'est demain, jeudi, que ça se passe. Team Select, probablement Team Random aussi. Donc, soyez au rendez-vous. Basket, il nous reste 3 spots seulement pour fouler ce break pour demain. Et on va continuer d'avoir du fun. Hey, manquez pas le break de foot à midi demain avec un casque de Justin Herbert. Je vous montre ça immédiatement pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu encore juste avant. Voici le casque de fou qu'on a dans le break de foot de demain. Donc, c'est un Lunar. Ce sont les nouveaux casques qui viennent tout juste de sortir. Signé par Justin Herbert, la rookie de l'année passée en 2020 avec les Chargers. Donc, c'est programmé à midi, ce break-là. Manquez pas ça. Pretty nice. Maison, Stéphane, maison. Watch out, la dernière s'en vient. Et si j'ai bien vu, il dit arrête d'en parler. Ouais, mais il faut que j'en parle, j'ai pas le choix. On finit ça avec une méchante belle carte. Si j'ai bien vu, je crois qu'elle est sur 15. Et c'est une Scripted Sticks. Ça non plus, j'ai pas sorti ça très souvent depuis que j'ouvre des paquets. Et on termine ça avec nul autre que monsieur Carey Price. 5 de 15, envoyez donc, let's go! Pas le choix, pas le choix! Broccoli time! Pouf! Aïe, aïe, aïe! Carey Price is with us tonight. 5 out of 15 only scripted sticks. Oh, ho, ho! Oui, monsieur. Carey Price qui nous finit ça dans cette de cup. Oh, ça finit bien. Junior Gaumont avec Montréal. Ouais. Non, mais si tu le fais une de cup, on va-tu en remettre dans les prochains breaks? Oui, oui. Je vais le dire, on va en remettre de temps en temps, vous allez voir. On va continuer d'avoir du fun avec ça. Hey, on se fait un petit wrap-up de nos hits. Toujours avec les Canadiens, Denis. On a eu une Gold SPX de Pedersen pour les Nox. Kaliev, les Kings, c'est Young Guns ici. Hayton, les Coyotes et Volkov pour le Lightning et le setup que vous avez en arrière. Hey, juste ici, Nick Robertson, la Tribute pour les Leafs. Ensuite, Gabe Vilardi pour les Kings, Rookie Auto, Giovanni Smith pour les Wings, RPA. Davidson aussi, mais Gold cette fois sur 24 à la droite. Une Splendor sur 36 de McKinnon. Hey, savez-vous quoi? Il y a une quatrième couleur ici, c'est rouge dans le bas. Ouais, vous le voyez pas très bien, mais c'est rouge. Il y a une quatrième couleur, Sylvie, sur ta patch. Elle est complètement folle, cette carte. Et la dernière, mais non la moindre, 5 out of 15, Scripted Sticks. For the Montreal Canadiens, Carey Price. Pour Monsieur Junior, Gaumont. Wow, let's go. On s'en retourne en mode grosse face. Il est 22h02 présentement. On me surnomme Alan Buffer. Merci tout le monde d'avoir été là pour ce break. Moses, que c'était plaisant.
J'espère que vous avez passé un bon moment. Si oui, gênez-vous pas, allez-y, cliquez sur votre bouton like. Ça va nous donner un coup de main, c'est sûr. Là-dessus, ben, je me dois de vous souhaiter une moseuse de belle fin de soirée. Je vous dis merci d'avoir été là. Je vous dis merci de la confiance que vous avez envers nous à tous les jours. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit et on se voit bientôt. Salut tout le monde. Merci.